Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un message d'erreur qui peut apparaître au redémarrage rapide de Dorico. L'Audio Engine indique par où doit sortir le son. Est-ce qu'il doit sortir des haut-parleurs de l'ordinateur, du casque? Dorico, comme tout programme, ne peut pas être redémarré tout de suite car certaines applications continuent à fonctionner en arrière-plan, comme c'est le cas pour l'Audio Engine. Quand vous quittez Dorico, et que tout de suite vous le sollicitez de nouveau, l'application Audio Engine ne sait pas si elle doit s'éteindre ou s'allumer. C'est un peu comme si vous dites d'aller à gauche et à droite en même temps. Si le message Audio Engine died apparaît, pas de panique. Il suffit de faire un Ctrl Alt supprimer et de rentrer dans le gestionnaire de tâches. À partir de là, descendez dans Processus en arrière-plan et cherchez Dorico. Sélectionnez-le et faites Fin de tâche. Une fois que le gestionnaire de tâches se ferme, relancez Dorico et tout devrait bien se passer. Donc, si vous ne voulez pas avoir de message d'erreur Audio Engine died et rentrer ensuite dans cette longue procédure, attendez un peu avant de relancer Dorico pour qu'il puisse éteindre ses applications en arrière-plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres tutos sur Dorico. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Au revoir!